Je peux vous assurer que je l'ai chanté aussi sur un bateau. Il y a des gens qui étaient avec moi sur ce bateau. Et puis aussi, après, je l'ai chanté en Algérie même, dans des hôtels de luxe, enfin bref, des trucs comme ça. Et puis cette chanson, ça me faisait tout drôle de la chanter. Et je me suis dit, mais comment ils vont prendre ça finalement? Et finalement, c'était une belle chanson d'amour d'Algérie. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. Et dès la première fois, je prenais le bateau, l'Algérie, écrasé par l'azur. C'était une aventure que l'on ne voulait pas, l'Algérie, du désert à Blida. C'est là qu'on est parti jouer, les petits soldats au balcon, séchés de rats, des serviettes comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était balassis en Algérie, même avec un fusil. C'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas encore à faire du mélo. Et pourtant, je vous jure, j'avais le cœur gros quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure que je ne voulais pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer. Les petits soldats, nos fiancés, nous écrivaient des lettres avec des bons menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. De l'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans tes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger te sourit au bout de l'horizon, il y avait l'Algérie écrasée par l'azur. C'était une aventure que tu ne voulais pas, l'Algérie. Du désert à Blida, c'est là que t'es parti jouer. Le petit soldat, un beau jour tu raconteras l'histoire à tes petits-enfants. Du voyage et ta seule gloire, c'était d'avoir 20 ans en Algérie. Même avec un fusil, ça reste un bon pays.